tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo swatch. Je vais swatcher sur mes lèvres les nouveaux rouge velvet ink de Bourjois et il y en a 18. Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, je ne vous apprends rien. Mes rouges à lèvres préférés, ce sont les rouges éditions velvet de Bourjois, toutes marques confondues depuis qu'ils sont sortis. Et Dieu sait que j'en ai testé des rouges à lèvres. Mais ce sont mes préférés en mat parce qu'ils tiennent super bien, ils s'enlèvent joliment, ils sont bien pigmentés, on les sent pas sur les lèvres, ils font pas d'effet un peu cartonneux ou quoi. Ce sont mes chouchous absolus. Et donc imaginez ma joie quand Bourjois m'a proposé de tester les rouges velvet ink qui sont eux aussi sans transfert et mat. Je vous montre le packaging qui est quand même super joli, c'est un petit bijou, franchement je trouve que c'est très réussi et très dans l'esprit Bourjois, comme avant avec la petite boule là sur les petits poudriers, la mono, bref j'adore. Et je vais vous dire la vérité, j'ai déjà testé, j'ai pas pu résister, ça fait plus d'une semaine que je les ai reçus, j'ai pas pu résister, donc j'en ai porté un. Et ils sont trop bien. Alors j'ai pas porté toute une journée, j'ai pas fait un crash test, donc je peux pas vous dire s'ils détrônent dans mon cœur les rouges éditions Velvet de Bourjois que j'ai porté toute la journée pendant toute une soirée en buvant, en papotant, enfin voilà, en buvant pas forcément de l'alcool hein, mais on se comprend. Donc je peux pas vous dire vraiment, j'ai pas autant testé, mais en tout cas je les adore, vous allez voir pourquoi. Ils sèchent extrêmement vite, d'ailleurs je vais essayer de faire vite mes swatchs parce que sinon je vais plus avoir de lèvres à la fin de cette vidéo. Et ils sont hyper opaques, ils s'appliquent super bien, c'est précis, ça fait vraiment zéro sensation sur les lèvres, on a l'impression de ne rien avoir, encore plus qu'avec les rouges édition Velvet où il y avait quand même un petit fini crémeux léger, mais là vraiment c'est peau nue quoi, et c'est bluffant, franchement c'est bluffant. Alors après j'ai testé qu'une teinte, je crois que c'est celle-ci d'ailleurs, attendez, je crois que c'est celle-là que j'ai testée, qui est la 18, pas fait exprès. Donc à voir les autres, s'il est plus clair, les plus foncés réagissent pareil et tout. De toute façon on va le voir, je vais vous faire les swatchs en musique et on se retrouve à la fin pour mon petit bilan quand j'aurai plus de lèvres. C'est parti. It should really be give and take. Fill you up and leave me empty. Baby, was that my mistake? Covering these feelings, going through changes. I'm just so mad right now, I can't even think straight. So I'ma just tweet it and delete it, knowing you won't read it. Before we get too far away, I need to clear my mind. I'd rather just tweet it and delete it before we cross the line and we reach a point we can't reach. Rewind, rewind, rewind. Changes. I'm just so mad, but now it's at my own expense. So I'ma just tweet it and delete it, knowing you won't read it. Before we get too far away, I need to clear my mind. I'd rather just tweet it and delete it before we cross the line and we reach a point we can't reach. Maybe I need to
dropped out. Tell me what you learned in grade school. Give it to me like you want it. Did you forget that code? Why is our love it one-sided? It should really be give and take. Fill you up and leave me empty. Baby, was that my mistake? Covering his feelings, going through changes. I'm just so mad right now, I can't even think straight. So I'ma just tweet it and delete it, knowing you won't read it. Before we get too far away, I need to clear my mind. I'd rather just tweet it and delete it before we cross the line and we reach a point we can't be. You wanted, did you forget that code? Why is our love it one-sided? It should really be give and take. Fill you up and leave me empty. Baby, was that my mistake? Covering his feelings, going through changes. I'm just so mad right now, I can't even think straight. So I'ma just tweet it and delete it, knowing you won't read it before we get too far away. Voilà pour les 18 swatch. Alors, je pense que vous avez vu, j'ai des préférés et j'ai des pas préférés. Clairement, ces deux-là, là, c'est pas possible. C'est le 14 et le 13, pour moi, c'est trop clair, j'ai l'air morte. J'aime pas, vraiment j'aime pas. C'est un peu le cas pour le premier aussi que j'ai testé, là, le 1. C'est pas des teintes que j'apprécie. Mais alors, tout le reste, ils étaient canons, à part, attendez, c'est lequel où il y a eu un souci, je crois que c'est celui-là, le 12, belle brune il me semble, je vous ai dit, ah ça va pas trop, parce qu'en fait je trouve qu'il n'était pas opaque, enfin j'arrivais pas à bien le rendre opaque, je crois que c'est celui-ci, je vérifierai. Je dois vous parler avant tout du rendu, j'adore le rendu, ils disent fini velours. Et c'est vrai que ça fait mat, mais je sais pas comment ça va sortir à la caméra. Ça fait un mat velours. Pas en sensation, hein. Vraiment en effet. Je sais pas, quand on regarde la bouche, je trouve que ça fait un peu de volume et ça fait pas forcément plat comme un mat mat. J'adore, franchement, j'adore. Il sèche super vite, donc en effet, j'ai dû essuyer très rapidement les swatchs. J'espère que ça n'a pas été trop rapide quand même pour vous. Et en fait, dès qu'on, vous voyez, quand je le mettais comme ça en bas,
hop, j'ai tiré dans les coins, c'est très très précis l'applicateur. Et bien juste là, ça commençait déjà à sécher le temps que je... comme ça. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas retremper le... Vous voyez, vous en mettez hop et vous... Enfin, vous avez compris, vous le retrempez pas dedans pour faire en haut et en bas, parce que ça suffit. J'ai peur que si on met trop de matière, ça fasse un peu patchy. Voilà. Mais avec juste ce qu'il y a sur l'applicateur, ça suffit amplement. Et j'adore, voilà, je trouve que c'est hyper joli. Sur les teintes les plus foncées ou les plus punchy, comme celle-ci, non mais canon, quand je l'ai vue, je me suis dit, mais en fait, sur les lèvres, j'aime trop, je trouve que c'est trop beau. Et bah sur les teintes voilà un peu foncées, un peu flashy, ça va demander un peu plus de concentration à l'application parce que comme c'est très pigmenté et que l'embout est très fin, voilà, faut vraiment savoir où on va. Si vous débutez dans le rouge à lèvres, c'est peut-être pas pour vous, mais si vous maîtrisez bien la forme de votre bouche et tout, franchement, foncez, essayez, vous m'en direz des nouvelles. Ils sont trop beaux, franchement je suis trop contente. J'avais peur qu'il y ait beaucoup de teintes, même celle-ci en fait ça allait, c'est la 2 je crois. Oui si je crois que ça allait. J'avais peur qu'il y ait beaucoup de teintes trop claires pour moi, et finalement pas du tout. Je vous montre le nuancier, on voit que c'est quand même beaucoup dans les nudes et les violines, mais finalement souvent je trouve que le packaging nude, ben il ressort un peu plus foncé sur les lèvres, et je sais pas, je suis conquise, hein, je pense que vous l'aurez compris. Donc il me reste à faire un crash test pour savoir si... En fait, comment je pourrais faire l'idéal, ça serait un côté avec un rouge édition Velvet et un côté avec un ink pour voir... je sais pas si je pourrais le faire ça. Pour voir vraiment lequel je préfère, et il faut que je vois vraiment comment ça tient en mangeant, en buvant, etc. Mais je suis convaincue que ça va très bien tenir. Voilà pour ma petite revue swatch des rouges Velvet Ink de Bourjois. Dites-moi si vous les avez déjà testés, ce que vous en pensez. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, juste avant de partir, je voulais préciser quand même que si vous êtes adepte du un passage, genre super rapide, je pense pas que ce soit pour vous, parce que vraiment il faut le premier passage où on vient faire le contour, on remplit à peu près, et ensuite le deuxième où on vient tout unifier, parce que sinon au premier passage c'est pas 100% opaque et ça laisse un peu des traces. Donc pour moi faut vraiment passer deux fois, comme je vous ai dit, juste en sortant le goupillon quoi. Et du coup après ben c'est parfait, à part une teinte que j'ai trouvée un peu voilà, un peu patchy. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, mercredi prochain. You get it by now. Tell me what you learned in grade school. Give it to me like you want it.